Allez, salut! Voilà, c'est toujours moi, Zamos Pita. Vous avez vu le visage. Voilà, donc abonnez-vous. Et puis voilà, aujourd'hui, en fait, je fais cette vidéo d'urgence parce que il y a les résultats, voilà, de la bourse. Ça, c'est pour la première sélection de la bourse de Russie qui vient d'être. Bon, ça fait au moins une semaine ou deux semaines qu'ils ont commencé à envoyer des messages de confirmation pour la première sélection. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo pour dire à tous ceux, par exemple, qui ont postulé à la bourse, d'aller de vite voir sur leur application en ce qui concerne Studying Russia. Voilà, donc regardez là-bas, vous allez voir un message, voilà, qui vous ont adressé. Même ceux qui n'ont pas encore reçu leur message dans leur boîte email, allez-y là-bas voir parce qu'ils peuvent vous envoyer là-bas sans vous envoyer dans votre boîte email. Donc allez-y là-bas pour aller vérifier. Et puis voilà. Maintenant, donc actuellement, je vais vous montrer et vous expliquer quels sont les documents à suivre, les documents à avoir pour la suite, pour la deuxième sélection. Donc, d'abord, je voulais féliciter d'abord tous ceux qui ont passé la première sélection, voilà, et vous dire que il y a encore de l'espoir. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore reçu, c'est pas parce que vous n'avez pas encore reçu que vous n'êtes pas sélectionné. Attendez, vous allez recevoir, voilà. Attendez, il y aura votre tour. Et surtout, pour l'instant, ils ont commencé à envoyer à plusieurs pays. Mais c'est pas à tous les pays, vous comprenez. Donc attendez, vous allez avoir votre résultat. Et puis ne vous découragez pas parce que voilà, même si vous n'avez pas eu, vous n'avez pas passé la première sélection, ils vont vous dire que vous n'avez pas passé la première sélection. Donc ça veut dire que forcément vous allez avoir un message. Voilà, donc ne vous découragez pas, attendez, le message viendra. Et puis voilà, maintenant pour ceux qui ont reçu le message, pour ceux qui ont reçu ce message là, je vais vous montrer c'est quel type de message, voilà. Et puis vous allez voir comment est-ce que vous allez faire. Maintenant pour les, en ce qui concerne les documents, je vais vous expliquer comment avoir ces documents et puis les envoyer pour la deuxième sélection. Alors on y va. Voilà, lorsque vous allez mettre votre mot de passe et votre mail, voilà, vous allez tomber sur ce type de message. Regardez bien, ils ont mis you have received comment from the foreign mission of the Russian Federation the following section document. Donc ici on dit que voilà, et regardez dans la section documents, vous avez reçu un message là-bas. Voilà, donc une fois que ça s'affiche comme ça, vous allez dans la section documents. Voilà, excusez-moi pour le foutage, comme c'est le profil de l'un de mes abonnés, voilà. C'est ceux qui ont sollicité notre aide pour qu'on puisse postuler pour eux. Donc, souffrez que le visage soit un peu fermé, voilà. Donc, vous venez sur go to application. Donc, vous allez sur go to application. Voilà, arrivé là, vous faites quoi? Vous allez sur edit ici. Voilà. Et vous allez dans documents parce que c'est dans documents qu'ils ont précisé. Donc vous allez dans documents. Voilà, vous allez voir ce message. Comprenez? Donc c'est ce message qui vous montre la confirmation. Ici on dit quoi? On dit suite à l'examen de votre application, vous avez passé la première étape de la sélection des candidats à des bourses octroyées par le gouvernement de Russie. Voilà, du Cameroun. Pour l'année académique 2021-2022. Pour participer à la deuxième étape de la sélection, veuillez compléter votre dossier qui se compose de quoi? Passeport avec traduction en russe certifié, diplôme relevé de notaire légalisé avec traduction en russe certifié, certificat médical sur l'absence de VIH-SIDA avec traduction en russe certifié, certificat sur l'absence de contre-indications médicales pour les étudiants en Russie. En fait, je voulais signaler en même temps les histoires de contre-indications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement russe veut, par exemple, si le gouvernement russe ne veut pas qu'il y ait des étudiants qui ont la tuberculose, vous comprenez, qui ont la tuberculose, voilà. Une fois que vous allez faire votre visite médicale ou bien votre test de VIH, il faudrait que ça soit avéré que vous n'avez pas ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle contre-indication. Voilà, donc c'est pas un problème, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ici, certificat médical sur l'absence de tout type d'hépatite et de tuberculose. Ici, regardez très bien, le dossier doit être complété sur le site www.education
avant le 23 avril 2021. Ça veut dire que vous avez moins d'un mois, voilà, pour pouvoir compléter les dossiers. Et les dossiers, c'est où? C'est pour la deuxième sélection, c'est ici. C'est ce qui est là. Voilà. Donc ici, vous devez trouver document indicating the result of the screen, the screening text. Voilà, ça c'est la partie, c'est ce qui prouve que le document qui prouve que vous avez été retenu pour la première sélection. Voilà. Et quoi encore? Ici, certificat médical. Après ça, vous mettez aussi le passeport. Et après ça, vous mettez le diplôme. Après ça, vous mettez le test de VIH. Voilà. Et ensuite, vous mettez des documents qui sont quoi? Qui sont recommandés. Donc, on a les documents de confirmation de votre patriotisme, c'est-à-dire quoi? Votre carte d'identité, un truc comme ça. Documents qui confirment votre. Ça, la plupart des temps qui sont ici, ça concerne beaucoup ceux qui sont. La plupart des documents recommandés, ça concerne beaucoup ceux qui sont déjà ici en Russie. Voilà. Parce que ici, on vous demande d'insérer une copie de quoi? Qui prouve que vous connaissez la langue russe. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas, vous remplissez ce que vous avez. Donc ici, autre document. Ici, lettre de recommandation. Donc la lettre de recommandation, vous savez déjà ce que ça signifie. Donc si vous avez une lettre de recommandation, surtout ceux qui ont postulé pour la bourse de Turquie, vous avez beaucoup de lettres de recommandation. Donc vous pouvez les insérer ici. Voilà. Voilà. Et la liste des publications, vous laissez ça aussi. Et voilà. Vous comprenez? Voilà. Donc, voici les documents requis pour pouvoir postuler pour la deuxième sélection et la sélection finale. Vous comprenez? Donc, ce que moi je vais vous dire, c'est quoi? C'est que ce qui est important ici, c'est la traduction des documents en langue russe. Vous comprenez? Donc, pour ceux qui veulent traduire les documents en langue russe, si vous voulez traduire chez vous dans votre pays et que c'est un peu plus cher, vous pouvez me contacter, vous pouvez me demander et puis je vais essayer de voir. Il va essayer de faire une comparaison entre chez vous et ici en Russie pour voir si quelle est la bonne idée, quelle est la meilleure pour que vous puissiez traduire vos documents. Parce que si vous avez bien remarqué, il y aura tellement de documents à traduire, il y aura assez de documents à traduire. Donc essayez de faire un peu rapidement. Vous avez moins d'un mois au 23 avril pour pouvoir tout finaliser. Donc faites un peu vite. Voilà, maintenant pour ceux qui n'ont pas encore reçu de message, c'est pas un problème. Attendez, vous allez recevoir forcément un message, même si vous n'avez pas validé, même si vous n'avez pas vous n'êtes pas admis à la bourse, vous allez recevoir un message. Et ce message va dire quoi? Ce message va vous dire que ok, vous n'avez pas été admis à la bourse, mais nous vous recommandons par exemple comme ça de venir de vos propres moyens. Voilà, donc c'est à vous maintenant de décider si vous voulez venir ici étudier de vos propres moyens ou pas. Donc ça veut dire que tout le monde va avoir un message. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Maintenant, je voulais vous dire aussi que en ce qui concerne les coachings pour les autres bourses, voilà, je suis toujours disponible. Vous passez le numéro qui est là, vous pouvez me contacter. En ce qui concerne des messages, quelques indications et comment est-ce que cela fonctionne, je suis là. Et ceux qui veulent intégrer le groupe, voir ça pour les coachings aussi, je suis là. Voici le numéro, ou bien regardez en description, ou bien en commentaire, vous allez voir des messages pour pouvoir me contacter afin d'intégrer le groupe. Alors donc c'est un peu ça, c'est toujours moi de Samo Hospital. N'oubliez pas, donnez-moi un pouce bleu avant de quitter. Et puis il y aura des documents à certifier et à traduire. Alors faites attention, ça sera vraiment, je ne vais pas dire trop cher, mais ceux qui ont reçu le message, essayez de postuler. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est moi de Samo Hospital, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Et puis, merci beaucoup et à plus.